Alors Jacqueline, nous allons présenter les chaussons aux pommes. Ouh, quelle précision. Quelle droitesse dans le trait. Comment on choisit la proportion de la pomme? Tu penses que je mets trop? C'est un repas gourmand. Hein. Le chausson aux pommes, c'est quelque chose de gourmand, Jacqueline. Hein, on y va. Passez-moi l'anguille. Il faut que tu nous expliques comment est-ce qu'on met autour là. Comment alors, met de l'eau. Tu mets un doigt dans l'eau. Dans l'eau. Ça, c'est ça, moi. Un doigt. Tu peux en mettre deux si tu veux. Trois même. Là, je peux même mettre les cinq. Après, tu fais le tour. Si t'as mis toute la main, c'est plus facile pour faire le tour. Après, tu prends deux ongles comme ça. Mais si tu veux, t'as deux ongles là, tu peux prendre les deux autres. C'est ça être rock'n'roll. Tu prends ce que tu veux, mec. Et voilà, mon pote. Voilà le boulot. Tu prends vraiment les quatre ongles que tu veux. Comment on appelle cette étape? Le badichona. Ça sert à quoi? Moi, je vais y aller. Rien. À faire briller un peu. Ça dort au four. Pourquoi pas que ça dort... Manager. Ah, c'est beau. Ils sont cuits? Moi, je suis sûr que c'est les premiers pour moi. Oui, parce que c'est tout petit. On aurait peut-être pensé le plus. Hein, finalement, ils sont bien, mais bon. Ah, ils sont très chers. Je pense que c'est quelqu'un qui veut juste y coller un petit. C'est précis, hein, comme technique. Ah, ouais, là. Tant qu'on met rien, tu. On est sur rien. Oh, on soufflera un coup dessus après. On va peut-être donner un coup sur les chaises après, mais. Ouais, pas mal. On en est à l'étape de l'emballage, donc il faut être 3 personnes, 6 mains, sinon ça va pas possible. Attendez, je vais enlever mes mains. C'est toute une stratégie. C'est compliqué, le retournement de rouleau. Mais stratégie bien en place après quelques emballages. Après quelques milliers de chaussons aux pommes. On coupe, ouais. On plie, on tend, on prend le plastique, on tend, on lisse et elle est belle.